Bonjour et bienvenue, je suis l'Antien 01. Aujourd'hui, nous allons faire un petit épisode sur Elite Dangerous, donc petit épisode hors série, pour tout simplement parler de la prochaine mise à jour qu'on devrait avoir à partir du mois de décembre. Je parle d'une grosse mise à jour, je parle pas d'une mise à jour qui pourrait avoir entre maintenant et décembre. Je parle d'une grosse mise à jour. La mise à jour en question est tout simplement la possibilité d'avoir un méga ship qui va être tout simplement assigné à notre escadron. Bien sûr, je vais vous faire montrer bien sûr les vidéos, enfin la vidéo, tout simplement le trial de Frontières. Et après, je vais reprendre tout de suite après. Voici le trial. Du coup, re tout le monde. Alors, comme vous avez pu voir le trial, on voit clairement un méga ship en position plutôt en train de se déplacer, caméra relativement proche, mais un vaisseau qui est complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il faut savoir qu'au début, même moi et comme plusieurs personnes pensaient sans doute à avoir un vaisseau méga ship de style selon la faction qu'on choisit, parce qu'il faut savoir que les squadrons peuvent être assignés à une faction, donc la Fédération, l'Empire ou tout simplement l'Alliance et les Indépendants. Il faut savoir que moi, au début, comme je pense plusieurs personnes, je pensais qu'en étant tout simplement du côté de l'Empire, on aurait pu avoir un transporteur donc de chez Gutamaya, un vaisseau que nous voyons très souvent dans les zones de conflit à haute densité ou dans les zones sécurisées, les capitales par exemple de l'Empire, où on voit clairement ces vaisseaux mères qui sont tout simplement en orbite autour de certaines planètes ou qui se promènent comme ça en mode tranquille. Il faut savoir que nous avons un nouveau vaisseau. Alors pour le moment, je ne sais pas trop quelle marque ça soit. On ne sait pas. Peut-être du Laycon, ça peut être n'importe quelle marque de vaisseau, ça dépend. Mais pour le moment, il faut savoir que le trail en même temps ne nous donne pas beaucoup d'informations. Hein. On a pu voir que un vaisseau, voilà, on a pu voir qu'il y a plusieurs plateformes. Alors on voit vite fait la vidéo, on voit vite fait les plateformes. Sur le dessus du vaisseau. Seule chose, c'est qu'on ne voit pas entièrement, on voit une partie et les plateformes sont de grande envergure, donc les vaisseaux de très grande taille pourraient se poser, genre style Mohamed Tokyo ou la Federal Corvette, même les plus petits vaisseaux, hein, parce qu'après, voilà, peut se poser. Et j'ai vu qu'il y avait sur le toit, vite fait, j'ai dû avoir vite fait 6 ou 8 pads, vite fait. Après, je pense qu'il peut peut-être en avoir d'autres. Comment ça se passait, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons, voilà, un mois, décembre, une année, 2019, donc à la fin de l'année, sur ce navire. Maintenant, ma question est la suivante. Je pense que beaucoup de personne entre vous, enfin les personnes qui suivaient ma vidéo et qui suivent tout simplement mes vidéos sur YouTube, ont sans doute la même question. Alors je m'excuse si vous entendez les cigales, j'ai la fenêtre ouverte, donc voilà, mais bon, ne faites pas attention. Donc je reviens dessus. Comment on peut avoir ces vaisseaux? Alors moi aussi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il faut avoir un nombre minimum de membres? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'il faut être 10, 20, 30, 50, ou voilà, ou moins ou plus, hein, je sais pas, ce sont des chiffres comme ça, hein, rien de bien précis là-dessus. Alors pour ceux qui veulent dire, ouais non, mais tu sais ce que tu dis, voilà. Faut savoir que mes vidéos, quand je fais des vidéos de présentation de mise à jour, ce sont plus ou moins des théories que je parle et des informations que j'ai par rapport cette faction de joueurs Remlock Industries, voilà. Donc voilà, ce sont des tout simplement des théories, voilà. Donc la question est la suivante, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut être nombreux, est-ce qu'il faut avoir un nombre minimum ou maximum,
enfin minimum plutôt, maximum non mais minimum, pour débloquer ce vaisseau. Mais surtout, combien il va coûter? Est-ce que ça sera un achat que tout le squadron mettra à peu d'argent? Ou est-ce que c'est le propriétaire du squadron qui va tout payer? Ça, c'est les questions qui sont plus ou moins intéressantes, bien sûr, mais aussi importantes à savoir. C'est vrai qu'on a très peu d'informations. En même temps, Frontières, il faut savoir que Frontières et leurs informations, ils ne communiquent pas très souvent avec nous, et c'est souvent des surprises que nous avons par rapport à Frontières. Ils laissent passer quelques informations comme ça, mais rien de bien impressionnant, donc du coup, on n'en sait rien. Donc voilà. Du coup, voilà c'est ce que je me pose comme question sur l'acquisition de ce vaisseau. Est-ce que ça serait en compétition? Parce qu'il faut savoir que dans Squadron, vous avez un classement qui est dans toutes les métiers du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un classement pour les explorateurs, un classement pour les anti-xéno, un classement pour les trucs de minage et tout ça. Vous avez tous ces classements là dans le jeu, enfin dans le menu Squadron. Et il faut savoir que dans ces classements là nous avons aussi bien sûr le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Je crois qu'il n'y a que les 3 premiers qui sont tout simplement listés pour ceux qui auront gagné tout simplement le classement. Il faut savoir que le classement se met à zéro tous les, peut-être les mois, ou je sais pas trop vraiment, parce que je me suis pas vraiment concentré sur ça. En même temps, quand j'ai fait l'équipe Squadron, c'est pas pour la compétition, mais c'est pour tout simplement réunir mes amis sur la même faction, on va dire sous-faction, hein, voilà. Et du coup, j'ai pas vraiment payé les droits du Squadron, donc 10 millions de crédits, pour la compétition. Non, non, c'était juste pour tout simplement pour les potes, tout ça, pour un système un peu plus profond dans la communication, ainsi que les partages de coordonnées, parce qu'on fait beaucoup d'exploration. Hein. Là, il faut savoir que je suis sur une planète où je me suis arrêté. Et que nous avons visité lors d'un live précédent, enfin pas mes lives à moi, mais un live de mon collègue qu'on fait souvent les lives ensemble. Donc du coup voilà. Et moi j'ai juste fait ça pour le truc entre amis, hein, j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais c'est vrai que maintenant ces vaisseaux là vont être très intéressants du fait que on pourra sans doute se poser dessus, qui est tout à fait normal, ça va servir à ça, de toute façon, hein, ça sera se poser dessus. Mais c'est des méga ships, ce qui veut dire méga ship veut dire vaisseau avec une portée peut-être plus importante qui nous permettrait d'aller plus loin. Et pourquoi pas explorer ailleurs, plus loin dans la galaxie. Qui est aussi une des possibilités qui va être vraiment très intéressante. Et puis même pour nous avec les élèves, ça pourrait être très intéressant du fait que si on peut faire je sais pas combien d'années lumière avec en un seul job avec le méga chip pour visiter une autre partie de la galaxie, franchement on gagne du temps maximum que faire la transition tout simplement classique avec un vaisseau qui a une portée entre 40 50 60 années lumière et avec les bonus 100 ou 200 années lumière. Voilà. Donc du coup, ça ferait vraiment gagner beaucoup de temps du fait que si ce méga-chip pourrait nous emmener à destination n'importe quel endroit dans la galaxie, qu'on pourrait explorer tout ça, ça peut être vraiment très très sympa. Il faut dire ce qui est. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse beaucoup. Du coup, j'ai hâte de voir ce que réserve tout simplement Frontières sur l'acquisition de ces vaisseaux, parce qu'il faut savoir que ça va être très intéressant. Hein. Franchement, moi, vraiment, avoir un méga chip, ça serait stylé. Vous voyez le délire, quoi. Attends, on a un méga chip, on se pose dessus, hop, on va visiter une autre partie de la galaxie, bim, en une seule fois, on arrive, tchou, en un seul jump, genre la Stargate, on va où on veut dans la galaxie, et puis on s'arrête où on veut, et puis hop, on fait notre petite expédition, vous voyez, on a un point de repère, notre base, qui serait une base mobile, finalement. Le vaisseau va faire une base mobile, parce qu'on va pouvoir se ravitailler, je suppose, ainsi que se réparer, ainsi de suite. Donc vraiment ça serait vraiment génial. Bon, après là je rentre dans les spéculations,
Ça veut dire que c'est pas officiel à 100%. Ce que je dis, ne prenez pas. Voilà, il faut les prendre avec la petite pincette. Hein. C'est, faut pas dire ouais, c'est ça, c'est acquis. Non. Hein. Moi, je fais souvent quand je fais des vidéos comme ça, quand je fais des présentations de mise à jour ou quoi que ce soit, des prochaines mises à jour sorties, c'est souvent des théories que je parle et des possibles choses qui pourraient être faites dans la gameplay et tout ça. Même si je dois dire décembre, c'est quand même relativement. Ça va être vite là. Et du coup, je sais pas trop ce qu'il va proposer, enfin comment ils vont mettre ça en place, et est-ce que ça sera fonctionnel, si ça va pas être buggé, un truc comme ça, parce que vous voyez, d'un coup on fait un jump, on va à l'autre bout de la galaxie, que d'un coup le méga ship il disparaît, qu'on est là dans le vide, on est un peu dans la merde pour revenir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, je pense pas qu'il y aura ce genre de bug, mais bon, vous voyez, il faut prendre tout en considération, et c'est vrai que c'est possible. Hein, il y avait ce jeu, quand il y a eu des grosses mises à jour, à chaque fois c'était vraiment une misère pendant les premières semaines. Après ça s'est plus ou moins calmé, mais c'était des grosses misères. La dernière mise à jour qu'on a eue, avec le ACS, tout ça, les serveurs ils faisaient que de cracher. Donc vous voyez le délire, parce qu'il y avait trop de monde qui s'en était connecté. Voilà. Donc du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant de savoir comment ils vont faire ça. Avec leur méga chip, parce qu'à mon avis il y aura plein de personnes qui vont être intéressées par le méga chip. Bien sûr, tous les squadrons vont en acheter un, si c'est possible. Je pense que oui, hein. Mais vous allez voir tous les méga chips qui vont spawner dans la carte. Non, mais c'est mortel, quoi. Ça va être mortel. Parce que des squadrons, il y en a plein. Je veux dire, on n'est pas les seuls. C'est pour ça que je pense que ça sera limité. Et que ce qui me rend un peu plus inquiet, c'est que ça sera peut-être réservé pour les trois premiers. Voilà. Les trois premiers au classement. Et ça, malheureusement, moi qui ai une petite squadron d'amis, quand on voit les points qu'il y a à gagner pour être premier, on est loin du compte. Très très loin du compte. En sachant qu'en plus, on joue très lent. On joue pas très rarement. On n'est pas H24 dessus. Hein. On joue le mardi soir, quelques heures. Et le dimanche soir, quelques heures. Voilà. C'est pas énorme dans la semaine, hein. Franchement, pour évoluer, c'est pas énorme. Après voilà, on a chacun nos horaires et tout ça, on a chacun un emploi du temps, et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir tous se réunir pour tout simplement faire ce genre de choses, des expéditions de très longue distance. Des expéditions de très longue distance, j'ai toujours voulu en faire avec d'autres personnes, mais il faut trouver le temps de les faire. Et le problème, c'est que voilà, le temps est très manquant, et c'est un jeu qui demande tellement de temps pour pouvoir profiter de tous les gameplays qu'il y a disponibles. À part oui, le gameplay banal, les petites guéguerres, là, voilà, ça se fait en quelques minutes, c'est bon, c'est fini. Mais les explorations et les expéditions, c'est beaucoup plus long, donc voilà. C'est pour ça que ça peut nous faire gagner du temps d'avoir ce genre de vaisseau pour aller d'un point A à un point B, vraiment très rapidement. C'est vrai que ça pourrait être très utile. Mais voilà, ça sera sans doute limité. Et quand tu vois tous les squadrons qu'il y a, et ben que tout le monde va l'acheter, ça va faire beaucoup de vaisseaux dans les serveurs. Donc vraiment, à voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça sera à voir comment ça va se passer avec tous ces méga chips, parce qu'un méga chip, c'est du package à charger, de la texture et tout ça. Je veux dire, c'est des vaisseaux existants dans le jeu. Hein. C'est sûr que voilà, des méga chips à chaque fois, on en croise. Il y en a plein de méga chips qui sont contrôlés par les PNJ. Hein. Mais il y en aura encore mille fois plus avec les joueurs, donc c'est pour ça que du coup ça risque d'être un peu craignos sur les serveurs à venir. Voilà ce que j'ai à dire. Du coup, ben, je pense que je vais arrêter cette petite vidéo là. On a fait un petit peu le tour de ce qu'on va avoir en décembre. C'est vraiment la seule éventuelle actualité qui est vraiment très intéressante à parler. Sans parler bien sûr de 2020, mais bon, ça 2020, voilà, les Space Legs. Bon ben voilà, c'est sûr que c'est très intéressant, on a hâte de voir tout ça, comment ça se passait, se promener dans nos vaisseaux, ça serait génial, vous voyez, il y a des portes, on pourrait se promener dans nos vaisseaux, se balader dans divers ponts du vaisseau, savoir qu'il y a les ponts d'habitation et tout ça, enfin je vois mon Tokyo, il a largement les ponts d'habitation et tout ça, les chaises et tout ça, enfin les lits, on va dire, les chambres et tout ça, du capitaine ou des membres d'équipage. Un vaisseau comme celui-ci a largement ça dedans. Et du coup, voir comment ça se passait. Mais pour le moment, ce que nous avons de très proche, c'est décembre. Et du coup, c'est ça qui va être vraiment très intéressant. C'est déjà ça. C'est déjà une bonne mise à jour, surtout pour Squadron. Sachant que en plus, Squadron, quand ils ont parlé de Squadron, ils avaient parlé de ce genre de vaisseau, de transporteur.
qu'on pensait à l'avoir immédiatement dans Squadron, sachant que non, on l'a pas eu immédiatement. On a eu Squadron, mais pas immédiatement les vaisseaux. On les a eu bien après. Et d'ailleurs, on les a toujours pas. Donc, on les aura bien, bien après. Donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est du boulot, un vaisseau comme ça. À première vue, est-ce qu'il y aurait d'autres formes de vaisseaux que celui-ci que nous voyons en vidéo? Je ne peux pas vous dire, malheureusement. Hein. Peut-être qu'il peut avoir d'autres formes. Est-ce qu'il y aurait un choix? C'est possible. Peut-être qu'un méga-ship pourrait avoir un vaisseau, un méga-ship moins cher, qui peut avoir moins de ponts pour se poser, et un qui peut être extrêmement cher, mais qui a plus de ponts pour se poser. C'est pas impossible que ça fonctionne comme ça. Mais ainsi aussi, peut-être que ce méga-ship aurait aussi divers formations, ce que je veux dire par là. Peut-être qu'il y aura un méga-ship qui est pas très cher, un qui est extrêmement cher, un qui est entre les deux, et ça peut aussi jouer sur les caractéristiques du déplacement du vaisseau. Ce que je veux dire par là, sa capacité de saut totale. Parce qu'il faut savoir que les méga-ships, de toute façon, ils seront là pour faire que des jumps. On va pas pouvoir les contrôler, hein, je pense pas. Ou alors, si on peut contrôler un méga-ship, X3, on est là, quoi. Parce que, voilà, X3, même X4, hein, parce que dans X4, on peut piloter des gros vaisseaux, des très très gros vaisseaux, hein. Donc, voilà, c'est vrai que si on peut piloter ce genre de gros vaisseau, ce qui m'étonnerait beaucoup, ça serait vraiment énorme. Parce que là, piloter un vaisseau comme ça, ça sera pas facile de se déplacer avec dans la galaxie. Enfin, dans les systèmes solaires, ainsi que certains systèmes solaires qui pourraient être peut-être plus difficiles à accéder. Du fait qu'il y a beaucoup de soleil et tout ça, les planètes, comment elles sont positionnées, les météores et tout ça. Les ceintures d'astéroïdes, tout ça, même si le système solaire est très grand et qu'on peut se déplacer en super cruise tranquillement, mais vous imaginez sortir du super cruise avec ça et manier ce vaisseau là sur un POI, par exemple, où il y a les cristals et tout ça. Il y en a tellement de cristals que tu t'en prends obligatoirement, quoi. Ou même t'imagines un méga ship qui va tout simplement spawner je sais pas dans un champ d'astéroïdes. Vous voyez le délire? Non, je suppose, comme je disais tout à l'heure, je pense que ce sera un vaisseau qui nous servira de ravitaillement et tout simplement de système de jump qui nous permettra de nous TP d'un point A à un point B dans la galaxie, où on pourrait sectionner la destination, et du coup il fera le jump, le petit truc, bim, et on part, bim, il s'arrête, et il restera là. Il restera au système qu'on aurait choisi. Dans un secteur dégagé, parce que comme je dis, je pense pas qu'il sera arrivé dans un POI ou un truc comme ça. Ce sera dans le système solaire, mais dans le vide, hein, parce que sinon je pense que ça risque d'être un peu difficile à mettre ça en place, surtout que ça pourrait être vraiment assez catastrophique si jamais tu fais spawn ton vaisseau dans un champ d'astéroïdes. Donc voilà, donc c'est pour ça, à voir comment ça se passait. Le système de fonction, enfin comment la fonctionnalité va se faire. Mais bon, après on verra décembre, comme je dis, hâte de voir ça. On aura peut-être des informations plus précises, ce qui serait pas mal. Je vais suivre ça de relativement proche pour voir si je peux vous avoir de nouvelles informations. Au cas qu'il y ait des nouvelles informations, je prends par exemple, je sais pas, des informations chez Ramlock Industries, autres comme ça. Si eux ils ont des informations plus précises, parce qu'ils sont quand même un peu plus proches de frontières. Donc voilà. Du coup, peut-être que on aura quelque chose de plus précis. Mais pour le moment, bah écoutez, ce que je peux dire, c'est que ça va être pas mal. Ça va être une bonne mise à jour. Et qu'on va sans doute on va sans doute bien s'amuser avec ces prochaines mises à jour qui vont arriver en fin à mesure que la mise à jour approche, surtout 2020, où ça va vraiment ajouter vraiment des gros ajouts. Mais nous n'allons pas parler de cette mise à jour 2020, sachant que nous avons très peu d'informations dessus, mais nous allons plutôt nous arrêter sur ce petit information précise de frontières, qui est tout simplement les méga-ships. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à ma chaîne, ça ferait très plaisir. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez peut-être répondre à mes questions, hein, si vous avez peut-être des informations plus précises sur comment on a acquis le vaisseau, bah écoutez, je serais très content de lire vos commentaires, et tout simplement on verra comment ça se passera. Du coup, je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir regardé. Allez, bye tout le monde.